Un nouveau député fera son entrée juste ici. Et oui, c'est Pascal Paradis qui a remporté l'élection partielle dans Jean Talon. Le fondateur d'Avocats sans frontières Canada devient le 4e représentant péquiste à l'Assemblée nationale. Une victoire significative avec un peu plus de 44 % des voix. C'est bon pour le PQ parce qu'en ce moment, tous les partis d'opposition essaient de se distinguer à l'Assemblée nationale. Là, le PQ réussit à prendre une longueur d'avance. C'est surtout une grosse défaite pour la Coalition Avenir Québec. On pensait que ça allait être serré. Finalement, c'est même pas si serré que ça. En une heure, hier, c'était réglé. Évidemment, c'est lié à ce qui s'est passé avec le troisième lien. Mais de façon plus générale, on sent que c'est plus difficile ces derniers temps pour la Coalition Avenir Québec. Ça donne le résultat qu'on a vu hier. Je suis déterminé à aller rechercher cette confiance. Le Parti québécois est de retour dans la capitale nationale! Le PQ n'avait eu aucun représentant dans la région de Québec depuis le départ d'Agnès Maltais en 2018.